Montezo, l'honneur de la tribu, est le deuxième volume de la trilogie de Désiré Angoura. Pouvoir, une œuvre dédiée à la gestion du pouvoir politique en Afrique. Si le premier volume, intitulé Son Excellence César Nabécan, évoque la période allant de 1960 à la fin des années 80, ce second volume installe le lecteur de plein pied dans l'Afrique politique de la décennie 90. Montezo, qui veut dire monter haut dans la cime sociale pour être heureux, est le nom d'un personnage en quête du fauteuil présidentiel. Il est cinéaste et auteur de deux courts-métrages. Il veut le pouvoir présidentiel pour goûter à la quintessence du bonheur, pour combler sa famille et entretenir sa tribu, celle des mangeurs de criquet. Tout comme Nzrama, le président en exercice. Christophe Montezo, dit le Christ, va combattre Nzrama, son frère de tribu, avec un seul et unique argument. Un mangeur de criquet, digne de ce nom et président de la République de surcroît, doit s'occuper en priorité des mangeurs de criquet. Ce qui n'était pas le cas du président Nzrama, sociologue et romancier célèbre selon Christophe, qui ne pense qu'à ses livres. Va s'en suivre intrigue, coup bas jusqu'au renversement du président Nzrama.